salvation. Hosanna, blessed be the rock, blessed be the rock of my salvation. Hosanna, blessed be the rock, blessed be the rock of my salvation. Oh, blessed be the name of the Lord. Béni soit le nom du Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. Praise God, God be praised. Que Dieu soit loué. Thank you, Lord. Merci Seigneur. We praise you, Father. We thank you. Nous te louons, Père, nous te remercions. Blessed be the name of the Lord. Béni soit le nom du Seigneur. Praise God. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Blessed be the name of the Lord. Glory. Praise God. Father, we praise you. We thank Père, nous te louons, nous te remercions. Seigneur, si les gens ne criaient pas, une fois tu as dit que ces pierres crieraient. Alors nous te remercions et nous te louons, Seigneur. Je remercie le Seigneur. Tout le monde est heureux ce matin? Tout le monde est en feu? Amen. Vous ressemblez au refrain « Amen ». On dirait que vous avez trouvé vos noms dans le livre de vie et vous avez rejoint le chœur céleste et les quatre anciens autour du trône. Je veux dire les 24 anciens et les quatre animaux. Et mille fois, mille des myriades d'anges qui adorent. Oh, que les gens adorent leur Dieu. Eh bien, je vais vous dire, qui sait adorer Dieu? Ce sont ces Juifs-là en Israël. N'essayez pas de vous approcher du mur de Lamentations le vendredi soir. Vous allez trouver l'adoration là. Ainsi, nous, les gentils, nous savons, nous remercions Dieu de pouvoir simplement lever les mains et remercier le Seigneur. Nous remercions Dieu de nous avoir inclus, parce que le salut vient des Juifs. Ainsi, nous remercions Dieu par Jésus-Christ, que Dieu ait pitié de nous gentils et que nous entrions dans ce grand salut. Nous en remercions donc le Seigneur. Donc, si vous êtes amis, visiteurs ici, c'est pourquoi nous remercions Dieu. Parce que nous n'étions pas inclus, mais nous avons découvert par révélation qu'avant la fondation du monde, que Dieu nous a inclus. Il a prédestiné que nous serions ici au temps de la fin, et spécialement dans cette ville de New York City, où tout est impie et tout le reste, et il y aurait un peuple ici qui le louerait et qui le remercierait. Merveilleux. Très bien. Nous avons un événement très important aujourd'hui. Nous voulons dédier la petite Abigail Grace Bellomo. Nous sommes donc très heureux de cela. Et la famille, certains membres de la famille et des amis sont réunis ici pour voir cette grande chose, comme c'était dans le temple, lorsque Jésus était consacré. Oh là là! Tous les sacrifices et les cris et toutes les dames avec leurs belles robes, mon Dieu, et tout dans le temple, tout le monde était paré. Gloire à Dieu. Eh bien, Jésus ressent la même chose pour Abigail. Gloire au Seigneur. Eh bien, gloire à Dieu. Nous voyons que notre frère Michael est arrivé. Encore quelque sorte retenu jusqu'à ce qu'ils arrivent, donc je vais attirer votre attention. J'avais deux choses à faire ici. Donnez-nous l'air pour amener-les doucement. Je veux lire une écriture, Saint Matthieu 19,
Et certaines personnes se demanderaient, eh bien, comment dédiez-vous les bébés? Eh bien, nous ne consacrons pas selon ce que dit l'homme. Nous faisons la dédicace des enfants comme Jésus l'a fait. Avec cela, nous invitons votre attention dans le livre de Saint Matthieu, l'Évangile de Saint Matthieu, chapitre 19, verset 13. Alors on lui amena des petits-enfants afin qu'il leur impose les mains et prie. Et les disciples les réprimandèrent. Mais Jésus dit, laissez les petits-enfants et ne leur interdisez pas de venir à moi, car un de tels est le royaume des cieux. Et il leur imposa les mains et partit de là. Que Dieu ajoute une bénédiction à la lecture de sa parole. Juste un mot de prière, notre Père céleste, nous sommes réunis ici aujourd'hui, en ce grand jour, le dimanche des rameaux. Seigneur, et nous pouvons penser à il y a presque 2000 ans, quand tu es entré dans la ville. Et Seigneur, quand tu étais sur la terre ici, au jour de ta chair, ils t'ont amené des petits-enfants. Et certaines personnes n'ont pas compris cela et ont dit, « Eh bien, que fais-tu? C'est Dieu, c'est le Seigneur, n'amenez pas les enfants à lui. » Et il a dit, « Non, amenez-les. » Et puis, il nous a enseigné comment les consacrer. Lui-même a imposé les mains aux enfants et il a prié pour eux. Alors, Père, nous ferons de même. La seule chose, les anciens ici seront tes mains et ta voix. Mais Seigneur, toi, sois le Saint-Esprit qui va nous oindre pour prononcer une bénédiction sur Abigail Grace Bellomo. Père, que tu bénisses la famille rassemblée, les amis et les croyants en général. Et quand nous prierons et pour le reste de la réunion, nous demandons la bénédiction dans le nom de Jésus et pour sa gloire. Amen et amen. Pouvez-vous asseoir? The men from the fields of sin, bring them in, oh bring the wandering ones to Jesus, oh bring them from the fields. Wandering ones to Jesus. Oh, bring them in, from the fields of sin. Bring them in, bring the wandering ones to Jesus. And all God's people say, et tout le peuple de Dieu dit, amen. Well, praise the Lord. Eh bien, gloire au Seigneur. Little, beautiful voici Abigail, la belle petite Grace Abigail Grace Bellomo. Est-ce que ça veut dire une belle petite cloche ou quelque chose Bellomo? Comme ça? Une belle Bellomo? Oh, beautiful man, oh. Oh, un bel homme ou une belle femme. C'est la belle petite Bellomo. Little honey, they'll call your granddaddy's name every kind of bell. Petite chérie, ils appellent le nom de ton grand-père toutes sortes de belles, de cloches et de ballons et tout le reste. Mais nous savons quel est ton nom. Gloire au Seigneur. Cette occasion des plus propices. Je suis le pacificateur. Les deux grands-pères voulaient faire ceci, mais je ne les laisse pas faire. Je vais le faire moi-même, gloire au Seigneur. Ils se tiennent là-bas, l'un avance, l'autre recule. J'ai dit, non. Je vais le faire moi-même, gloire au Seigneur. Voyez comment elle est simplement allongée là, gloire au Seigneur. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Chaque tête inclinée. Dieu Tout-Puissant, comme les anciens, et nous imposons nos mains sur la belle petite Abigail Grace Bellomo. Et Seigneur,
combien nous apprécions les frères Fiore et frères Bellomo et leurs épouses pour avoir élevé leurs enfants de la manière dont ils devraient aller. Et Seigneur, et quel grand privilège et quelle bénédiction d'avoir ici l'arrière-grand-mère, sœur Marie Rodolico, et l'arrière-grand-mère, sœur Nellie Hine, et son fils Albert, et le fils de sœur Rodolico, Michael, et les amis de la famille, monsieur et madame De Niro, et leur famille. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Père, je me souviens d'avoir rencontré les Fiore en 1960 à Brooklyn, Seigneur, dans la rue Saddam, une petite mission là-bas, et puis rencontrer les Bellomo. Ils étaient célibataires et j'ai eu le privilège de les marier, de les unir par le mariage. Et ici, les quatre se tiennent ici dans la maison de Dieu et leurs enfants, la petite Lois, Joe, Seigneur. Et comment ne pas se souvenir de 1968, de ce que nous avons appelé la récolte exceptionnelle. Lois avait été la première et puis est venu, je crois, Joe, et puis David Hunt, et ensuite mon fils Jonathan, et puis Michel est également né dans la même récolte et quelques autres. Et comment nous remercions Dieu pour tous ici aujourd'hui à ton service. Et ici, ces deux-là, Joseph et Lois, se sont mariés et ont maintenant produit ce magnifique petit enfant, le fruit du sein maternel. Oh, gloire à Dieu, merci Jésus. Et maintenant, Père Céleste, nous prions des bénédictions sur les arrière-grands-parents et les grands-parents, oh, gloire à Dieu, et la famille. Et maintenant, Seigneur, sur frère Joey, nous prononçons une bénédiction sur lui. Puisses-tu lui donner un emploi rémunérateur, Seigneur. Puisses-tu renforcer son corps. Puisses-tu trouver grâce auprès de ses employeurs. Amen. Et bénis-le au travail pour pouvoir prendre soin de sa femme, Seigneur. Et bénis, sœur Lois, alléluia. Que son corps redevienne normal, Seigneur Dieu. Et bénis-la de toute affliction dans son corps. Guéris-la complètement et Seigneur, remplis-les tous les deux du baptême du Saint-Esprit et de feu. Que les bénédictions de Dieu soient sur eux. Alléluia. Et tous ceux avec quoi ils entreraient en contact. Bénis les pères le reste de leur jour sur cette terre. Et maintenant, la précieuse petite Abigail Grace Bellomo, Dieu Tout-Puissant, alors que nous te la rendons aujourd'hui, Seigneur, laisse nos mains être tes mains. Alléluia. Et Père, ce jour, reçois-la de nouveau dans le royaume de Dieu. Et Seigneur, répands sur elle la bénédiction de Dieu. Remplis-la même dans mes bras du Saint-Esprit et de feu. Que ta bénédiction soit sur elle. Que le sang de Jésus-Christ la protège de tout mal, danger et accident. Et Seigneur, si tu tardes, puisse-t-elle grandir pour devenir une petite prophétesse dans le royaume de Dieu rempli du Saint-Esprit. Bénis-la maintenant et remplis-la du Saint-Esprit et de feu. Bénis toute la famille, Seigneur Dieu. Alors que nous te la dédions aujourd'hui, alléluia, le dimanche des Rameaux, le 12 avril, au nom de Jésus-Christ, que ce jour ne soit pas oublié de sitôt. Hosanna, au roi au plus haut des cieux, béni soit le nom du Seigneur. Au nom de Jésus, nous prononçons les bénédictions. Amen et Amen. Gloire à Dieu. God bless you. Que Dieu te bénisse. Brother Joseph, God bless you. Dieu te bénisse, frère Joseph. Grandpas. Les grands-pères. Where are you going? Où allez-vous? God bless you. Que Dieu te bénisse. God bless you. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Hosanna. Yes, sir. Oui. Everybody feel fine? Tout le monde se sent bien. Glory. The name of salvation. Hosanna, blessed be the rock, blessed be the rock of my salvation.
Hosanna, blessed be the rock, blessed be the rock of my salvation. Oh, Hosanna, glory, blessed be the rock. Blessed be the rock of my salvation. Hosanna. Blessed be the rock. Oh, blessed be the rock of my salvation. Oh, praise God. Wasn't that wonderful? N'est-ce pas merveilleux? Praise the Lord. Gloire au Seigneur. Okay. Thank you, musicians. Merci les musiciens. Je veux juste lire un petit quelque chose ici pour la journée, comme c'est dimanche des rameaux, avant de poursuivre avec le message d'aujourd'hui. Saint Matthieu 21, verset 1. Maintenant, ça va être très important, ça va signifier quelque chose. Parce que la saison est en train de changer. Alors, soyez sur vos gardes et écoutez. Je ne vais pas prendre trop de temps. Nous avons un court message, mais ceci n'est qu'un petit intermède, plutôt des pré-commentaires. Saint Matthieu 21. Et lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et furent arrivés à Bethphagée, à la montagne des Oliviers, voyez, sur la montagne, puis Jésus envoya deux disciples en leur disant, « Allez dans le village près de vous, là, et aussitôt vous trouverez un âne attaché et un ânon. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous direz, « Le Seigneur en a besoin, et aussitôt il les enverra. » Tout cela a été fait afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par le prophète en disant, dites à la fille de Sion, voici ton roi vient vers toi, doux, assis sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Et les disciples s'en allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils apportèrent l'âne et leur revêtirent leurs vêtements, et ils le mirent dessus, et une très grande multitude étendit ses vêtements sur le chemin. D'autres coupaient les branches des arbres et les étendaient sur le chemin. Et les foules qui allaient avant et qui suivaient s'écriaient, disant, « Hosanna, ô fils de David, béni est celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, au plus haut. » Et quand il fut entré à Jérusalem, toute la ville fut émue, disant, « Qui est-ce ?» Et la multitude disait, « C'est Jésus, le prophète de Nazareth de Galilée. » Père Céleste, puisse-tu bénir la lecture de la parole et la bénir dans le cœur de ton peuple. Et Seigneur, ces commentaires et les messages qui vont suivre, que ceci soit un grand jour puissant, où beaucoup de gens seront scellés dans le royaume de Dieu. Nous prions Dieu Tout-Puissant et demandons la bénédiction au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Nous voulons certainement saluer nos visiteurs ici. Nous avons un frère qui vient du Punjab, en Inde. Frère Massi, Dieu te bénisse, si tu veux te lever. Que Dieu te bénisse. Il rentre en Inde. Je crois que son voyage a été profitable. Il est venu mercredi, nous avons une excellente conversation. Il a dit, il voit cela. Ainsi, vous allez prier pour lui. Il a plus de 2000 personnes là-bas au Punjab, partout, et de nombreux ministres, et ainsi de suite. Nous voulons certainement prier pour qu'ils diffusent le vrai message. Amen. Alors vous voyez, et puis il y a un autre frère qui vient ici la semaine prochaine, je crois des Philippines. Il sera ici la semaine prochaine, je crois. Voici donc frère John Neil Massey, c'est le pasteur de Punjab en Inde. Et nous sommes certainement heureux d'avoir avec nous ce matin les parents et les grands-parents et sœur Marie Rodolico. Que Dieu vous bénisse. Elle est assise là. Et son fils, frère Michael Rodolico Jr., que Dieu te bénisse, frère Michael, nous l'attendions. Et Michael ne nous déçoit jamais. Michael mène toutes nos batailles pour nous, gloire à Dieu. Amen, frère Michael. Et notre sœur Nelly Hine, la mère de sœur Madeleine, son frère Albert, et nos amis et sœurs
Mrs. Florence De Niro. Madame Florence De Niro, Florence De Niro Junior et Charlie De Niro, que Dieu vous bénisse. Et nous avons un autre visiteur spécial qui vient depuis l'Atlanta, en Géorgie, frère Carl César au balcon. Que Dieu te bénisse, frère Carl. Ainsi, nous rendrons à César ce qui appartient à César aujourd'hui. Gloire au Seigneur, frère Carl. Amen. Eh bien, qui est-ce? Gloire à Dieu. Amen. Qui est-ce? Amen. Et nul autre que le Messie, oint de Dieu. Je fais référence aux Écritures. Lorsque Jésus est venu chevaucher à Jérusalem, il est sur le mont des Oliviers. Et quelle était l'attraction là-haut, sur la colline? Amen. Vous voyez, quelle était l'attraction il y a près de 2000 ans? C'était Dieu qui faisait l'histoire. C'était Dieu accomplissant la prophétie. Et puis chaque fois que Dieu accomplit la prophétie, quel que soit le moment où cette prophétie est censée s'accomplir, comme de nos jours maintenant, toutes ces prophéties qui s'accomplissent et tout ce qui se passe, les choses infernales sur la terre, c'est la prophétie. Amen. Et ce que l'Église fait et ce qu'elle ne fait pas, c'est que Dieu accomplit la prophétie. Vous voyez, tout est établi là et vous ne pouvez pas vous en éloigner. Et puis, quand cela arrive, voyez-vous, ça provoque toujours une attraction. Quand quelque chose se passe, c'est ce que Dieu a dit. Vous savez, comme le jour de la Pentecôte, Dieu avait dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et 120 âmes, y compris Marie, la mère de Jésus, étaient dans la chambre haute. Et quelle attraction! Ils sont descendus en titubant les marches. C'est cela, c'est ce dont le prophète Joël a parlé. Quelle attraction c'était le jour de la Pentecôte. Vous pouvez vous asseoir. Je me demande ce qui se passerait si le même Saint-Esprit revenait de nos jours. Est-ce que ça provoquerait une attraction? Les gens le croiraient-ils? Ou les gens diraient-ils, qui est-ce? Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez vous asseoir. Ainsi, lorsque Dieu fait l'histoire et que Dieu accomplit la prophétie, cela provoque toujours une attraction. Cela fait sortir tous les critiques. Amen. Et cela fait également sortir tous les aigles, ceux qui recherchent quelque chose, gloire à Dieu. Et quand cette attraction qui est prophétisée par les Écritures se produit, alors qu'est-ce qui se passe? Alors ils se réunissent pour découvrir qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça signifie? Et certains viennent par curiosité, d'autres viennent pour trouver des fautes, et d'autres viennent critiquer. Et qu'y a-t-il sur la montagne? Eh bien, je veux dire, Zacharie, leur propre prophète, le prophète des Juifs, avait prophétisé dans Zacharie 9:9. Réjouis-toi grandement, fille de Sion. Crie, fille de Jérusalem. Je leur ai dit de crier quand cela se produisait. Et Marie criait en descendant les escaliers, gloire à Dieu. Amen. Ô fille de Jérusalem, voici, ton roi vient vers toi. Il est juste et ayant le salut, humble et chevauchant un ânon, le poulet d'une ânesse. Prophétisez là en arrière. Et Jésus est venu, il est né et tout, il est ressuscité, il a eu un grand ministère, le plus grand que le monde ait jamais vu, des signes et des prodiges en prononçant la parole. Mais ensuite, il est venu le temps pour lui de devenir leur roi. Et ils pensaient qu'il amènerait toutes les légions du ciel et conquérir ces cruels Romains. Voyez-vous maintenant, ça, c'est l'esprit de l'homme naturel. Avoir une armée, tous les missiles et toute la technologie, c'est ainsi que pense l'homme. Ce n'est pas la façon dont Dieu pense. Amen. Gloire à Dieu. Dieu a des anges sur chaque arbre.
Et il leur disait, retenez simplement vos épées pendant que nous nous occupons des petits gens limités ici, des petits sujets ici sur la terre. Ils pensent qu'ils sont quelque chose. Retenez-vous. Quand Christ est mort sur la croix, les cieux auraient pu s'ouvrir. Les armées auraient pu sortir des cieux et tuer tout le monde là-bas. Mais ce n'est pas ainsi. Ce n'est pas ce qu'il a écrit dans la parole. Ça doit venir par ici. Amen. Ainsi, d'autres venaient pour critiquer, et qu'y a-t-il sur la montagne? Je viens de lire Zacharie 9, verset 9, la prophétie s'accomplissait, ce que nous appelons le dimanche des rameaux. Et les gens avaient enlevé leurs vêtements, jetés par terre, ils les ont mis sur l'âne, et puis ils ont pris des branches, et les ont étendues d'une certaine manière. C'est pourquoi ils ont encore des petits rameaux aujourd'hui. Nous l'avons dans notre cœur. Nous l'avons fait traverser là. Gloire à Dieu. Nous l'avons là tout le temps. Certaines personnes l'ont mis simplement le dimanche des rameaux. Je ne veux pas blesser les sentiments de qui que ce soit, gloire à Dieu. Mais nous l'avons ici tout le temps. Amen. Parce que c'était toujours là. Gloire à Dieu. Ainsi, alors, quand vous vous demandez, Christ qui est venu en chevauchant, il a fait tous ses signes, ses prodiges, ses miracles, et alors il dit, qui est-ce? Ne penseriez-vous pas que les scribes et les prêtres, les pharisiens et tous les religieux, ne pensez-vous pas qu'ils auraient lu la Bible, Zacharie 9? Et alors, s'ils l'avaient fait, et que les prêtres leur avaient enseigné, au lieu des traditions et des préceptes des hommes, s'ils leur avaient enseigné la parole de Dieu, ils auraient su, ils auraient crié, « Hosanna, Hosanna, au roi !» Mais en fait, les ministres et les rabbins gardent les gens dans la confusion. Mais ils ne savent pas et ils ne se seraient pas demandé ce qui se passait. Et alors, ils auraient su que c'était Dieu accomplissant sa parole. L'histoire se faisait. La prophétie s'accomplissait. Le salut du monde arrivait. Il chevauchait là pour apporter le salut. Le vendredi saint, il allait mourir. Oh, hallelujah. Mais le matin de Pâques, il est ressuscité des morts, gloire à Dieu. Amen. Et il a envoyé le salut sous la forme du baptême du Saint-Esprit et de feu. Et repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. À vos enfants, à ceux qui sont au loin, autant que le Seigneur votre Dieu en appellera. Et il continue d'appeler aujourd'hui. Puis vous asseoir. Il était donc prêt à porter le salut au monde qui arrivait. Ce grand jour, tous les prophètes s'y attendaient avec impatience, et tous ceux qui étaient dans la tombe, tout le chemin jusqu'à Adam, tout là-bas, Noé, tous dans la tombe, Abraham, et tous, ils étaient au paradis. Ils attendaient. Alléluia. Ils savaient que l'heure approchait. Quelque chose tremblait sur la terre. Et ils attendaient ce jour-là tous les justes du sang des martyrs et des prophètes, et les saints, ceux d'Hébreux 11 et tous. Et pourtant, certains critiques se demandaient, qui était-ce de toute façon? Qui est ce petit homme avec une barbe et une longue robe? Hein? Qui est cet homme, de toute façon? Et quand il est venu à Jérusalem, toute la ville était émue, disant, qui est-ce? Et les croyants jetaient leurs vêtements et criaient, coupaient des branches, les étendaient là sur le chemin, en criant, Hosanna au fils de David. C'est pourquoi je dis aux gentils qui ne savent rien d'adoration. Avez-vous lu le New York Times Magazine, et ainsi de suite, là, juste ici à Brooklyn, Schneerson, un juif ultra-conservateur ici, il dit que le Messie vient cette année, et il indique qu'il est lui le Messie. Oui. C'est ici à Brooklyn. N'est-ce pas quelque chose ici à New York, il est le Messie, gloire à Dieu. Et tout le temps, s'il venait juste là dans le prochain arrondissement, il ressentirait la présence du Messie. Vous savez, je tombe sur cet étrange pont-là, Kosciuszko, quelque chose comme ça, EQE ou quoi que ce soit, venez sur ce pont, dans le Queens. Alléluia. Eh bien, gloire à Dieu, amen. Gloire. Ainsi, il pense qu'il est le Messie.
Alors, qu'en est-il de notre jour depuis le grand réveil pentecôtiste qui a commencé en 1946 et quand ils sont sortis, tous les grands évangélistes, pour secouer le monde après le jugement de la Seconde Guerre mondiale, Dieu l'a jugé. Et puis, avec la Seconde Guerre mondiale, et puis il n'y a pas eu de réveil, toutes les églises étaient mortes. Et puis Dieu a envoyé les grands évangélistes, les années 40, 50, 60, et ainsi de suite. Et les églises, maintenant, les églises sont mortes. Et alors, que s'est-il passé si un autre mouvement de Dieu se reproduisait, hein? Et les églises seraient-elles émues? Les critiques critiqueraient-ils? Mais grâce au message de Malachie 4, certains aigles ont été appelés hors de l'Odyssée pour être l'épouse de Christ. Et ce sont eux qui crient « Hosanna! Hosanna! Béni soit le rocher! » Vous sentez-vous ainsi? Merveilleux! Hosanna, Hosanna au fils de David, béni celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au Très-Haut. Je me suis demandé si la même onction serait ici aujourd'hui sur la vidéo. Maintenant, avec ceux qui crient Hosanna, je parle des aigles maintenant. Je me demande si ces aigles, comme aujourd'hui, c'est le dimanche des rameaux, et vous avez sorti vos rameaux, vous avez étalé vos manteaux par terre, et quand j'ai mis la vidéo, je me demande si vous reconnaîtrez qui c'est. Hein? Je me demande si vous allez reconnaître l'onction. Reconnaîtrez-vous l'onction pour ce jour des sept tonnerres? Oh, hallelujah! Je me demande si c'est le jour que New York City va finalement reconnaître. Ce serait merveilleux, ça je vous le dis. Alors je me demande si la même onction serait ici aujourd'hui en vidéo avec les gens qui la reconnaissent et qui crient Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Ou dirait-il, comme il le disait il y a presque 2000 ans, qui est-ce? Hein? Oh, gloire à Dieu! De toute façon, sœur Jean Peters est-elle là? Je ne vois pas. Il y a des gens de Pennsylvanie, non, elle n'est pas là. Elle a eu un songe en 1989. Vous vous souvenez de l'inspiration que j'avais là-bas? En 1988, le Saint-Esprit m'a donné le psaume 71 à propos de la force. Vous savez, aux nations, et j'ai dû rester dans cet état, fatigué, malade, du diabète et tout, jusqu'à ce qu'ils voient la force. Et puis, aussi, et montre ta puissance à ceux qui sont encore à venir. Et puis, le 19 juillet 1989, le frère de frère Théovide, Terry, a sculpté sur du cuir, là, la même écriture, les versets 17 et 18. Et sœur Jean Peters a fait un songe en juillet 89 également, juste après. Et dans le songe, elle m'a vu et j'ai dit que le réveil allait juste se répandre. Et ce n'était que le début de juillet 89. Alors la voix de Dieu m'a parlé pour elle et lui a dit, « Veux-tu que ta force soit renouvelée ?» C'est ainsi dit le Seigneur. Et elle a dit, « Oui. » Avec cela, je l'ai ramassé comme un sac de pommes de terre et j'ai commencé à la porter. Oh, quelle chose exténuante c'était pour moi de traverser tout cela. Et c'est ce que j'ai traversé en portant l'Église. Vous comprenez maintenant? En portant l'Église. OK. Et cela a continué. Et puis j'ai pensé que j'avais terminé, que j'avais à nouveau fini, que j'avais encore fini. Puis est venu le mois d'avril 1990 à Reading, et j'ai prêché sur le signe, et j'ai dit, c'est la fin. Je sais, parce que l'onction est ici, voyez. Alors, deux jours après avoir envoyé un témoignage, cher frère Coleman, j'ai un bref témoignage que je veux partager avec vous. Lorsque vous avez prêché samedi soir, c'était à Reading, j'ai vraiment senti que nous sommes arrivés à cette partie de mon songe avec la force où vous m'avez prise là. Maintenant, regardez, elle est très forte ici. La manifestation complète n'est pas encore là. Maintenant, regardez. Mais la foi pour cela, maintenant, regardez, est descendue avec l'onction. Vous voulez dire, il y a 2 ans, tout le monde aurait dû saisir la foi en 1990. Alléluia. Alléluia. Mais où? Non pas la pleine manifestation, mais la foi pour cela. Alors, pourquoi ai-je dû travailler pendant 2 ans
Mardi. Le 14. Deux années supplémentaires, j'ai dû travailler. Maintenant, ne vous taisez pas. Je vous explique juste quelque chose, c'est tout. Je ne suis pas en colère ou quoi que ce soit. Je vous le dis simplement. Quoi qu'il en soit, dans son témoignage, il a dit, regardez, la manifestation complète n'est pas encore là, mais la foi pour cela est descendue avec l'onction. Maintenant, regardez, il y a environ un mois, avant qu'elle arrive à Penharis, je veux dire, Reading, je lisais Isaïe 10, 27, ce verset m'a été vivifié et je me suis dit, ça y est, le fardeau sera enlevé des épaules de frère Coleman à cause de l'onction. Ainsi, je suis très heureux aujourd'hui, car le joug qui est autour de mon cou a disparu. Amen. Et le fardeau de porter l'Église sur mon épaule est parti, parce que l'onction est ici. Et voici ce qu'il a dit dans Isaïe 10, 27. Et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et le joug sera détruit à cause de l'onction. Oh, wow! Et puis nous avons découvert que je ne peux pas porter un réveil. Frère Robledo ne peut pas porter un réveil. Les gens apportent un réveil. Alors les gens ne diront pas que je suis en train de suivre un homme, un père divin ou quelque chose comme ça. Ce sont les gens chez eux, le Saint-Esprit est là, ils savent qu'ils sont sauvés, et les enfants, et au travail, et les gens voient Christ. C'est ça le réveil. Et je viens juste pour le prêcher, la correction, l'instruction, reprendre en toute justice. Amen. Gloire au Seigneur, pouvez vous asseoir. Avez-vous compris ça maintenant? L'onction brise le joug et je pourrais le déposer. Alors je vous ai mis par terre là, je vous ai déposé le vendredi 10 avril, je vous ai déposé, c'est fini. Et je suis tellement content. Oh, gloire à Dieu. Vous savez, il est dit à la page 253, vous le savez, n'est-ce pas? Dans le troisième sceau. L'épouse n'a pas encore eu le réveil. Il n'y a pas eu de réveil là-bas. Pas de manifestation de Dieu. Voyez-vous ce qu'elle a dit là? La pleine manifestation. Mais ça devrait être la foi, parce que les sept tonnerres donnent la foi pour la pleine manifestation. Voilà ce qu'il est dit. Aucune manifestation de Dieu pour remuer l'épouse, voyez-vous, nous le recherchons. Il faudra cette tonnerre inconnue là-bas pour la réveiller à nouveau. Il l'enverra, il l'a promis. Maintenant, regardez. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, le dimanche des rameaux, elle peut être réveillée à nouveau? Parce que l'onction est déjà là, se déplaçant ici et là, ressuscitant les morts, guérir les malades, chasser les démons et les miracles qui se répandent pour prouver qu'il est ici. J'attends juste un jour signifiant, important, pour arriver là, chevauchant à Jérusalem. Qui est-ce? Nous allons le découvrir aujourd'hui. Si vous savez qui c'est. Amen. Pouvez vous asseoir. Donc aujourd'hui, nous voulons commencer le réveil des sept tonnerres de l'épouse. Aujourd'hui et ce soir. Et le lundi 6 avril, j'ai reçu deux appels téléphoniques d'un du Canada, Frère Gabriel et le Stock. Et même message là-bas, le 29 décembre, qui s'est déversé. Et ça a cassé le système du son et il s'est répandu au Canada avec la même réaction. Et vers 16 heures de l'après-midi, frère Antonino m'a appelé d'Italie. Et il m'a dit, frère Coleman, j'ai mis la cassette. Il a dit, le Saint-Esprit s'est répandu. Et il parle en italien. Et ça s'est répandu là-bas. Il a dit, vous savez quoi? Il y a une sœur qui a un mari incroyant. Et si elle a 10 minutes de retard, il la gifle en disant, tu es en retard. Donc c'était assez tard et il y avait déjà une demi-heure de retard et le Saint-Esprit a commencé à tomber. Elle a dit, je vais rester ici, je m'en fiche. Je reste ici avec le Saint-Esprit. Peu importe si je me fais tabasser, gloire à Dieu.
Maintenant, sœur, vous n'avez pas besoin de vous faire battre ici à New York. Mais vous savez, restez pour le Saint-Esprit, d'accord? Gloire au Seigneur. Votre mari ne vous battra pas. Gloire à Dieu. C'est ce que je dis. Un réveil est en cours. Amen. Au départ de quoi? De la vidéo. Puis asseoir. Puis mardi, tôt le matin, Owen Palm a appelé de Kimberley en Afrique du Sud. Frère Coleman, dit-il, nous sommes transformés. Toute l'église est transformée à partir de la même bande. Amen. Puis frère Daryl Waters a appelé vers 11h. Il a dit, frère Coleman, nous sommes dans un autre mouvement de Dieu. Il vient juste de vous en parler là au lycée. Il est dans un autre. Il y a de jeunes enfants qui sortent de la rue et qui entrent, la puissance de Dieu les emporte. Oui, à Baltimore. Alors j'ai dit, frère Daryl, nous avons entendu et nous avons tous préparé après le 22 mars et nous les avons préparés pour la deuxième cassette d'Afrique du Sud où vous parlez environ 25 minutes. Il a dit, mon gars, le Saint-Esprit s'est répandu. J'ai dit, oh, est-ce que vos gens là les ont vus en chantant Noma, en criant et en dansant? En dansant, dit-il. Le Saint-Esprit est tombé, ils sont entrés, ils étaient par terre là-bas et ils n'ont pas vu de danse, ils n'ont pas entendu de chant, ils étaient dans l'esprit. J'ai dit, oh, ça y est. J'ai dit que maintenant les gens de New York, ils ont vu la danse, mais les gens de Baltimore sont entrés dans l'esprit. Donc quelque chose ne va pas quelque part. Il doit y avoir quelque chose qui cloche. Amen. Alors peut-être que les gens de New York sont divertis par la vidéo. Et les autres personnes, je ne vous parlerai même pas du Nigeria, oubliez ça. Frère Olu m'a appelé, il a dit, frère Coleman, je ne peux même pas écrire ces choses. Il y en a qui voient les vidéos pour la première fois, ils explosent. Le Saint-Esprit, des guérisons. Le 17 novembre, quand j'ai prié pour Sir Coleman ici, une sœur là-bas, dans l'église de frère Olu, elle s'est levée avec des problèmes féminins. Et elle s'est identifiée à la place de Sir Coleman et Dieu l'a guéri. La foi. Vous voyez ce que je veux dire? Cela vient d'ici. Oh, hallelujah. Frère Frank Cronkite a appelé du Canada le même jour. 5 appels téléphoniques en 2 jours. Il a dit, frère Coleman, je ne serai plus jamais le même. Il a dit, je prie, Seigneur, que cela se produise dans ma petite église. Il a dit, frère Coleman, lorsque l'esprit est tombé, à 12h40, nous ne sommes partis qu'à 14h. Il a dit que des gens partout étaient remplis, réemplis. Voyez, ils sont entrés. Ils sont tous entrés dans l'onction. Pourquoi? Parce que le témoignage de Sir Jean Peters, c'était l'onction qui donne la foi. Et ici, pendant 2 ans, onction après onction qui s'est répandue, et personne ne semble avoir la moindre foi. Peut-être parce qu'il y avait une raison. De toute manière, donc, quelque chose bougeait. Le 16 février, c'est tout. Messieurs, est-ce l'heure de la manifestation des 7 tonnerres d'Apocalypse 10? Il a dit, c'est ça. Alors s'avancer, prendre une écriture sur laquelle personne ne prêche, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ensuite, je me prépare à repasser cette bande aujourd'hui et prêcher dimanche prochain pour faire un suivi, parce que c'est ici. Il a dit, non, tu ne peux pas, parce qu'ils n'ont pas encore la foi. Il a dit, je suis ici, je viens. Mais il a dit, j'ai ressuscité les morts, des miracles, des signes, des prodiges, j'ai répandu le Saint-Esprit, mais ils n'ont toujours pas la foi. Et la foi est une révélation de ce que je fais. Et il n'y en a pas. La question est donc posée, trouverai-je cette foi à New York? Je l'ai en Afrique du Sud et partout ailleurs, mais est-ce ici? Je dois donc me retenir et vous donner un peu de temps en avril et mai et avoir la chance d'obtenir cette foi de la même vidéo que les autres l'ont obtenue. Alors, je vais donner un laps de temps, retirer le repas du Seigneur en mai, maintenant juste un moment pour eux de recevoir la foi, un temps sérieux, juste un peu de temps, un espace de temps pour qu'ils saisissent la foi et qu'ils soient scellés. Oh, hallelujah. Oh là là. You believe that? Vous croyez cela?
merveilleux. Déplacé ici et là, c'est presque terminé. Juste là, je mets le ton. Parce que de qui s'agit-il? Donc il faut répondre à la question. New York, à partir d'aujourd'hui jusqu'en juin, veuillez entrer, s'il vous plaît, dans l'onction pour la foi, ce qui est une révélation pour votre scellement, guérison, délivrance. Vous savez pourquoi? Parce que dans une révélation, le « ainsi dit le Seigneur » est construit dans la révélation afin que vous receviez toutes les bénédictions. C'est ce qui est arrivé à Pierre, tu es le Christ. Pierre, le Saint-Esprit, il a dit, tu es le Christ, une révélation. Les portes de l'enfer vont essayer de venir contre cela, mais elles ne prévaudront pas. Alors maintenant, si vous recevez aujourd'hui la révélation, que vous allez être scellés, les portes de l'enfer viendront contre vous. Et si vous avez vraiment une révélation, oubliez ça, vous serez scellés. Jusqu'à ce que... Amen. Ainsi donc le Fils de l'homme, alors le Fils de l'homme pourra officiellement venir parce qu'il aura trouvé la foi, une révélation à New York. Amen. Donc il est déjà ici. Il est déjà là. Confirmé partout à l'extérieur. Nous aurons donc des vidéos spécifiquement, spécialement conçues pour apporter la foi. Des vidéos prophétiques. Et souvenez-vous maintenant, le signe. Le prophète a dit que le signe suit les sceaux. Alors, le signe est couronné par cette seule chose, le signe. Et puis chaque message sous le septième sceau, c'est le signe des sept tonnerres du Saint-Esprit, là, sur les gens. Alors, avez-vous appliqué le signe? Alors, le signe est tout ce qui a été prêché. C'est le signe. Et c'est plein de promesses. Donc par la foi, vous êtes-vous appliqué ces promesses à vous-même? Eh bien, quand je verrai le signe, je passerai par-dessus. C'est l'exigence de Dieu de l'heure. Et il a dit que le message du temps du soir lui-même est d'appliquer le signe. Tel est le message. Aujourd'hui, le signe. Donc aujourd'hui, le message du signe, il est ici, lui-même, s'identifiant lui-même parmi nous, prouvant qu'il est le même, hier, aujourd'hui, pour toujours, qu'il est directement avec la parole. Amen. Alors que l'Esprit a tombé aujourd'hui, le matin et le soir, entré dans la saison, car sûrement c'est la saison. Amen. Gloire à Dieu. Alors, donnez-nous l'air à nouveau pour Hosanna. Amen. Frère Paul, chante simplement quelques versets, puis nous retournerons la vidéo pour qu'il puisse entrer dans l'esprit. Amen. Parce que certainement, il chevauche sur le petit d'une ânesse. Je parle de l'onction. Amen. Amen.